Salut tout le monde, c'est Nopsti. Aujourd'hui on se trouve sur Fortnite Battle Royale, ça fait super plaisir. Donc voilà, on est sur la game. Et déjà, on va découvrir cette fameuse saison 3 de Fortnite qui a l'air vraiment incroyable. Donc déjà, on est en train de se spoiler là, sur le menu en fait. Parce qu'il y a un skin, d'accord, qui est plutôt stylé. Et il y a un autre skin derrière. Ah mais c'est peut-être elle qui a deux styles, je sais pas. Vas-y, on va voir, c'est parti. Waouh, là on se spoil un max de trucs là. Non mais sérieux. Oh Midas. Wesh, il y a un requin. Mais non, Midas il s'est bouffé par le requin. Je sais pas compris là. Ah ouais. Ah ça a l'air stylé. Dès qu'on se sur l'eau. Y'a Aquaman. Y'a Aquaman. Sérieux. Waouh. Niosclé là, il est chaud hein. Ah oui, c'est vrai qu'il attache sa corde au requin. What? Il va super loin. Mais quoi, elle s'accroche à l'hélico, mais non. Ah, c'est eux le skin. Je pense. Waouh. Oh, c'est super stylé. Il y a le plus de combats et tout. Saison 3, chapitre 2, fête des vagues. Ok, mais c'est super ça. Ah, passe de combat. Allez, let's go. Dans votre flottille. Ici, vous pouvez déverrouiller des défis et acheter le pass de combat pour recruter wow. Cette équipe de naufragés insubmersibles. Ce petit moussaillon s'appelle. Oh. Il est musclé. Aquaman, il a dit oui. Alors je lui ai demandé de mettre un t-shirt. Il a dit non. Et il y a Julie, une inventrice de génie aux créations prodigieuses. Wow. Explorez la flottille pour rencontrer toute l'équipe. Découvrez aussi le parapluie perso inclus dans le pass de combat et à redécorer vous-même. Ouais, sérieux. Saison, il sera totalement unique. Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts. Alors, achetez le pass de combat pour recruter votre équipe de naufragés. Personnalisez votre parapluie, récupérez 1500 V-Bucks et plus encore. Wow, d'accord. Jetez-vous à l'eau. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. Let's go. Ah non, mais j'avais oublié qu'il n'y avait pas d'eau chez moi. Ouais, d'accord, du coup il y a Aquaman et tout. Aquaman, ça doit être le skin secret, du coup je pense. Ouais, on l'achète, donc plus d'infos. Ah, on peut avoir plus d'infos. J'aime bien cette musique. Ça nous met dans l'ambiance de l'été en fait. Ah, d'accord. Il y a elle, qui est plutôt stylée. Il y a lui aussi. Transit, légendaire. Et elle, épique. Ouais, d'accord. D'accord, je vois. Ah, ça ressemble beaucoup à une autre emote qui était aussi dans la boutique d'objets. À 200 V-Bucks. Ok, là il y a des V-Bucks. D'accord, parapluie perso. Ah, c'est ça qu'on pourra personnaliser. Bonus parapluie perso, montez en niveau, accomplissez des défis et définissez votre propre style parmi des millions de combinaisons. Des millions. Waouh. Ils sont partis loin là. Des millions de combinaisons. Je sais pas si c'était pareil avec le skin là de la saison 2. Mais bon, d'accord. Là c'est quoi? Là il y a un petit fourbi de plage. Ok. Un petit camouflage. Là, il y a un fond d'écran. Un écran de chargement, plutôt. Donc ça, c'est quoi? Tranchant marin. Donc, bonus maniement au choix. Choisissez comment vous utilisez votre outil de collecte. Un dans chaque main ou à deux mains. Wouah, sérieux? Ah, d'accord. On peut choisir et tout. C'est super stylé, ça, pour vrai. D'accord. Des V-Bucks. Une petite émote. Waouh. Elle ultra légère. Ah, ça a l'air stylé, ce planeur. J'aime bien, pour vrai. D'accord, c'est quoi? Amélioration du tap à terre. Ah d'accord. Une amélioration du planeur perso, je pense. D'accord, et maintenant, venu des profondeurs. Qui lui? C'est qui lui? D'accord. Une main dans une bouche. Qui sort d'un casque. D'une bouche, je sais pas. Avec un crabe sur les casques. Après, il y a des V-Bucks encore. Il y a Genesis plongeur. Mais Genesis... Genesis, il est partout, c'est incroyable. Wow. D'accord, une petite guitare, un riff imaginaire. Sans guitare du coup.
Comme ce que je viens de faire. D'accord. C'est vraiment stylé ça. Un requin torpille. Ouais. Bouteille abyssale. Waouh. D'accord. Chute d'eau. Super stylé. Il y a une icône. Il y a des bugs. Elle marine. Ah, ça ressemble beaucoup à l'autre celui-là. Mais ça va. Ah, il a des bulles derrière. Ok, il ressemble pas énormément à l'autre non plus. Après, il y a quoi? Il y a tête de marteau, d'accord. Oui, vu que ça c'est un poisson marteau, je vois. Après, il y a des pioches. Maniement en choix. Ouais, c'est comme dans l'autre en fait. On peut soit l'équiper dans une main ou soit les deux. D'accord. Vraiment super stylé ça. D'accord, il y a ça. Trop carré. Waouh, une petite emote. Ça fait plaisir. En plus, elle est gratuite. D'accord, une amélioration. Waouh. Oh, c'est super stylé ça. On dirait le retour des failles. C'est un parapluie ça. Waouh, ils ont bien géré. Hein. D'accord. Là, il y a des couteaux de plongée. Des V-Bucks. Oh, c'est le troisième skin, je pense, du pass de combat. Waouh. Julie. D'accord. Stylé pour de vrai, ça va. Ça va, ça va, elle est stylée. Ah d'accord, ça c'est en version ombre et après il y a la version fantôme aussi. Enfin, je suis pas pour la version fantôme. Je pense qu'elle est ombre. D'accord, il y a ça. Oh, il y a le perchoir dôme. D'accord, poussière d'étoile. Waouh, c'est super stylé. Prête à retaper. Revêtement. Serreuse, waouh. Ah ok, ça aussi il y a le maniement en choix. Je pense qu'il y a le maniement en choix pour chaque pioche en fait. Enfin, pas pour chacune parce que si je me trompe pas, il y en avait une où il y avait pas ça. C'est genre les couteaux là. Sinon, c'est vraiment stylé là pour les pioches. Coup de tête. Oh non, t'entends pas trop la musique. D'accord. Là, il y a Home. Ah d'accord, waouh. Houhou. Homme s'envole directement de l'accessoire de nos perchoirs d'homme quand les deux sont équipés. Oh d'accord, j'ai pas ultra bien compris, mais je pense que nous on descend fait là et pas au-dessus de lui, logiquement. D'accord, ça c'est stylé pour Doré, ce planeur il est vraiment stylé. En plus il est légendaire. Oh, je pense qu'il mérite d'être légendaire. En plus il est plutôt petit. Errant, waouh, un choix de style supplémentaire pour transit. Ah d'accord, ça c'est un choix de style supplémentaire. J'ai cru que c'était un nouveau skin en fait. D'accord, il y a ça, il y a ça, il y a les V-Bucks. Oh, une danse. Ah, ça rajoute des petits trucs là en bas. Parapluie, amélioration, ouais. D'accord, icône. C'est bon, il y a ça. Il y a des V-Bucks. Oh, il y a Kit. Ah, il s'appelle Kit. Ah, Kitty, genre Kit. Ok, je crois que j'ai compris. Ah d'accord, on peut le mettre sans fantôme, sans nombre. C'est super stylé. Bonus Mino Martial, mettez-vous en ordre de Mia Ourche avec l'emote intégrée de Kit Go Kit Go. Ah d'accord, il y a une emote intégrée, d'accord. Ouais, il est super stylé ce skin, je l'aime beaucoup. Il y a un planeur, d'accord. Arc-en-ciel, waouh. Ah, ça c'est stylé. Ah, mais attendez, il n'y a pas de sac à dos légendaire. Ah, si, il y en a. Je me suis dit dans ma tête, non, il n'y a pas de sac à dos légendaire, comment c'est possible? Si, si, il y en a en fait. Ouais, oh, virtuose du calvi. Oh, ça va, c'est stylé. D'accord, là il y a la bannière. Skate 8 bits. D'accord. Griffe féroce. Waouh. D'accord, oh c'est super stylé ça. Donc après il y a ça, d'accord. Oh non non, j'ai un truc là. Ok, il y a 100 V-Bucks. Arpenteur stellaire. D'accord, une amélioration. Transition. Ah oui, vu que son nom c'est transit, transition. Ouais. D'accord, ah c'était ça en fait, le teaser. Ok, je comprends mieux. Il est stylé ce cadeau, ouais. Donc après il y a Siona. Oh, il est stylé, ça va. Une vagabonde en plein monde perdu. Ouais, d'accord. Donc, touriste spatial. Sur un cosmique. Waouh. Ils ont fait du lourd, j'ai l'impression, cette saison. Tempo planétaire. Ouais, c'est vraiment stylé ça. Ah ouais, mais l'emote. Waouh. Ah ouais. Ok, 100 V-Bucks. Vol chevaleresque. Ah oui, ok, c'est pour la chevaleresse rouge, d'accord. J'ai un peu compris. Ok, il y a ça. Billy. Les gars, je vous avais dit, Billy, il est partout. Il est en train d'envahir le monde. C'est incroyable. Billy. What? Wouah! Plané! Tweed! What? C'est super stylé, ce planeur! Mais quoi? Genre, on peut être dessus. On n'est pas en bas, on est d'accord. On est dessus, mais quoi? Mais c'est super stylé! What? Oh, le planeur, il est lourd, hein, pour de vrai. D'accord, un petit truc de samouraï, je pense. D'accord, saut rouge. Oh, stylé ce camouflage. 100 V-Bucks. Grognon.
L'emote contre les grognons, quoi. Ouais. D'accord. Après, il y a corbeau de métal. Wow. Ça va, elle est stylée. Mais je pense que je préfère quand même l'autre planeur. Ouais. Donc après, il y a bouclier éternel. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vois. Et après, il y a les V-Buck, bien sûr. Et il y a deux skins. Il y a deux skins au palier 100. Sérieux? Cheval reste éternel. Waouh. Ah, c'est comme pour le chevalier rouge en fait. Enfin, ou le chevalier noir, je ne sais plus. C'est comme pour lui. Genre à la saison X, il y avait un autre style pour lui. Du coup, je pense qu'ils ont fait la même chose pour la chevaleresse rouge ou noir. Ah ouais, d'accord. Chevaleresse éternelle. L'honneur brille éternellement. C'est que c'est clair. Hein. Oh, super stylé. Vraiment waouh. Après, il y a masqué. Un choix de style supplémentaire pour transit. Mais genre que c'était un nouveau skin, mais c'est incroyable ça. Transit, on dirait à chaque fois que c'est un nouveau skin alors que pas du tout. C'est vraiment stylé pour de vrai. Du coup, bah vous savez quoi? On n'hésite pas, on achète le pass de combat direct et on appuie sur mettre à niveau. Ouais, voilà. Ok, let's go. On veut le pass de combat. Et ouais, let's go. On va le prendre. C'est parti, acheter le pass de combat. Ouais. Ouais, ouais, je vais l'acheter. 3, 2, 1, c'est parti les gars. Je suis en train de vérifier si Aquaman elle dit un truc ou pas. Aquaman parle. Il veut pas parler comme Deadpool. Par exemple, Deadpool il avait dit que c'était lui le skin secret. Non, non, il veut pas parler. D'accord, bon bah let's go. Acheter le pass de combat, c'est parti. Pass de combat déverrouillé. Waouh. Ok, du coup on a Ocean depuis le début et Transit. D'accord. Si loin soit-il de chez lui, il doit poursuivre son voyage. Ah ouais, d'accord. Et elle, c'est quoi? C'est elle qui décidera de la fin des hostilités. Fait partie de l'ensemble revanche océanique. D'accord. Vous savez quoi? Let's go. On va faire obtenir. C'est parti. Et le parapluie perso. D'accord. Montez au niveau pour déverrouiller d'autres parties du parapluie. Accomplissez des défis pour déverrouiller de nouvelles couleurs. Et verrouillez définitivement votre choix pour fabriquer votre propre parapluie. D'accord. Bah, c'est comme l'autre en fait. C'est comme l'autre skin. Planeur personnalisable. Bien reçu. Ah ouais, on peut rajouter des trucs et tout. Sérieux. Couleur de la traînée. Ah, il y a une traînée. Wow. Bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui sort. Voilà. C'était le pass de combat. Franchement, je le trouve ultra stylé pour le vrai. Je ne sais pas votre avis. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, bien sûr. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.